Ces paquets-là contiennent des semences traitées à l'insecticide Regent. Aujourd'hui, elles sont encore conditionnées chez Limagrain, l'un des leaders européens. Même si la production a été arrêtée, ce fabricant cherche à écouler ses stocks. Dans la mesure où BSF, depuis une semaine environ, n'a plus le droit de nous vendre le produit, bien entendu, nous avons arrêté toute fabrication de semences de maïs et de tournesol traitées au Regent. Cette année, Jean-Claude Labie, céréalier, a commandé 150 kg de semences traitées au Regent. Pour les semis de printemps, il n'a pas d'autre choix que de les utiliser et il se justifie. Les agriculteurs utilisent ce produit parce qu'à ce jour, pour eux, c'est la meilleure solution en termes de travail, en termes d'efficacité, en termes de gestion technico-économique. Si le produit est nocif, les agriculteurs, si on leur donne la preuve que le produit est nocif, les agriculteurs arrêteront d'utiliser ce produit-là. Annoncée trop tardivement, cette mesure de suspension ne pourra concrètement s'appliquer qu'à partir de 2005. Cet été, les abeilles continueront vraisemblablement de mourir par milliers, au grand dam des apiculteurs et de Philippe Devilliers qui s'est porté partie civile à leur côté. Parce que les études scientifiques l'ont montré, qu'il y a un risque non seulement pour la santé animale mais aussi pour la santé humaine, il n'y a plus de questions économiques. Quand on se souvient de ce qui s'est passé pour l'amiante, pour la vache folle, pour le sang contaminé, il y a une seule question, c'est principe de précaution. Un principe de précaution qui ne s'applique pas car il n'existerait pas de solution alternative à l'emploi des pesticides. On ne pourrait pas cultiver autant et aussi bien sans insecticides adaptés à chaque culture. Pourtant, les agriculteurs bio s'étonnent de ce discours et proposent d'autres méthodes. Une terre qui a reçu pendant 20 ans du maïs, maïs sur maïs tous les ans, bah, le taupin il est comme un roi là. Donc c'est tout à fait possible de s'en passer en pratiquant des rotations, c'est-à-dire faire des successions de cultures qui n'ont pas les mêmes ravageurs. En employant uniquement des méthodes traditionnelles, André de Solan affirme avoir un rendement inférieur d'un quart seulement à celui d'un céréalier qui emploie des pesticides. Pour lui, c'est le prix à payer pour sauvegarder la santé des hommes et des animaux.